bienvenue sur ce petit vlog. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi à la Sweet Crown Party de Angelique Pretty, donc une petite tea party d'hiver sur le thème de la galette des rois. Donc on va voir ça, on va voir ce que ça donne et c'est parti. Pour commencer la journée, j'ai rejoint mon amie Lucie, puis nous nous sommes mis en route vers le restaurant qui s'appelle le Mori Café, car nous avions décidé d'y manger avec quelques amis avant la tea party. C'est un restaurant végétalien japonais, donc qui propose plein de plats délicieux, vraiment, si vous êtes dans le coin, je vous recommande d'y faire un tour. Waouh ! Incroyable ! Les waist ties. Mais waist ties. Interdit aux moins de 18 ans. Bien sûr. C'est ça. Ouh. Les gars, faut l'aller dos. Waouh, Lulu, un tétoun. Après ce petit repas, il était déjà temps pour nous de se mettre en route pour rejoindre le lieu de la tea party. Cette année, la tea party se déroulait à l'hôtel Édouard VII dans le quartier d'Opéra. C'était déjà l'endroit qui nous avait accueillis lors de la dernière tea party d'hiver d'Angelique Pretty Paris. Comme nous sommes arrivés en avance, nous en avons profité pour prendre quelques petites photos dans la rue et je vous montre par la même occasion ma coordination du jour. Tout le monde est en train de se recoiffer, se réhabiller. Je filme et Laura en train d'espionner. Je vois tes fesses et Laura. Nous avons tout d'abord reçu des petits cadeaux, puis une fois installés, c'était l'heure du discours de bienvenue. J'en ai profité pour ouvrir mon sachet qui contenait une carte de Kira Imai ainsi qu'un petit bon de réduction chez Comptoir Harajuku. Juste après ça, c'était la traditionnelle photo de groupe avec toutes les Lolitas de la tea party. Évidemment, comme on avait du temps libre après, on en a profité pour prendre quelques petites photos en plus. Vas-y. Ok, attention. Ok. Mais tu fais plus de tours. Attends, il fallait en faire qu'un. Stop. Ok. Non. Un seul tour, hein. C'est dur déjà avec un tour. L'heure de tirer la galette est arrivée. Nous avons été appelés chacune notre tour pour aller récupérer notre part. Le dessert était également accompagné d'un petit verre de cidre qui n'était pas pour me déplaire. Malheureusement, je n'ai pas eu la fève dans ma part de galette, mais mon amie Émilie a réussi à l'avoir et a donc été couronnée avec cette magnifique couronne en mousse Angelique Pretty. As a keychain. Trop mignon. Et bien sûr, comme toute bonne journée de tea party qui se respecte, nous avons terminé notre événement à la boutique Angelique Pretty. Comme la boutique a été refaite récemment, c'est toujours merveilleux de pouvoir y retourner parce que je me remets toujours pas de ce à quoi elle ressemble maintenant. Je la trouve vraiment magnifique. Et voilà, c'est déjà la fin de la journée. J'étais vraiment super contente de pouvoir passer du temps avec mes amis lors de cet événement. On s'est vraiment bien amusé.
Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc merci beaucoup de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt. Bye bye.